Mettez-vous au rythme de l'Afrique. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette demi-finale entre deux équipes qui rêvent évidemment de brandir le trophée. Elles ont réalisé un superbe parcours jusqu'ici, il ne reste plus qu'une marche à franchir avant de pouvoir disputer la finale tant attendue. Ce sont deux groupes de grande qualité avec des joueurs pleins de talent. On devrait forcément se régaler aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. C'est un grand plaisir de pouvoir vous faire vivre cette demi-finale. Vous serez d'accord avec moi, Darren. Mais carrément! C'est fou comme le temps passe vite quand on a la chance d'assister à de grands matchs. Mais bon, après, c'est un peu cruel quand même. Ce sera le terminus pour l'une des deux équipes, pendant que l'autre ira disputer la finale. Et c'est parti! Iwobi. Avec Iwobi. Et le ballon continue de lui coller au pied. Il s'impose physiquement dans ce duel. Change d'aile. La longue passe, il peut en profiter. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Bonne course, côté droit. Oh, quel geste! Là, il peut centrer. Oh, le bon ballon! Il rejoue derrière lui. C'est bien fait! Il est sur le côté. Voilà une bonne occasion de contre. Iwobi. La longue passe. Qui est bien placée. Bien joué de la part du défenseur. Corner. Troisième qui cherche à construire. Choupo-Moting. Et il cède sous la pression. Il est passé. Le Cameroun qui fait dézonner ses attaquants axiaux. Oui, mais c'est un peu bizarre quand même. Ah bon? Pourquoi? Comment ça? Le problème, c'est que c'est l'attaquant central qui doit être dangereux dans la surface. Il faudrait peut-être mieux laisser les ailes aux ailiers. Sinon, qui va reprendre ses centres? Zambo Anguissa. Il est bien placé. Choupo-Moting. C'est dégagé loin. Et la tête, et c'est dedans. Il n'a pas tremblé, formidable. Et premier but pour le Cameroun. Il était bien tiré ce corner, et le timing parfait. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait.
Elle fait du bien, cette ouverture du score. Le Nigeria qui peut avancer. Allez. Il perd l'équilibre. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Sur la gauche. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Il allonge vers l'avant. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Elle continue sa course. Dans la boîte. Et c'est intercepté. Le ballon donné dans la profondeur. C'est bien donné. Oh, la frappe! Superbe arrêt d'Onana. La parade, magnifique. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. C'est joué court, à deux. Bien joué, ça. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Un long ballon vers l'avant. Bonne intervention. Avec Iwobi. Ça doit faire une occasion. Attention! Minutes au chronomètre dans cette première période. Dans la profondeur. Il a tenté, bien joué. Sambo Anguissa. Ça va sur l'aile. C'est parfait, magnifique. Ouais, il peut choisir de centrer. Il relance côté droit. C'est le moment de centrer. Oh, c'est un arrêt important, ça! Ah oui, ils sont déçus. Ils pensaient bien que ça allait au fond. Joli travail à deux. Quelle inspiration! Le ballon dans la surface. Trop long, le ballon est sorti. Il file côté gauche. Il file sur l'aile gauche. Oh, quel geste! Il envoie le ballon dans l'axe. Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon, sauf le dernier geste. Les Nigériens profitent de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, leur axe n'est pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Et ce corner à la rémoise. Il va au duel. Il est en bonne position pour centrer. C'est dégagé. Oh, le duel. C'est le moment de centrer. Pas de doute, ils sentent la pression maintenant. Ça ne passera pas. C'est bien fait. Il est sur le côté, il peut tenter un centre.
Oh, le tacle. Il cherche son coéquipier. On a atteint la mi-temps de cette demi-finale. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ah, ça a manqué d'envie dans cette première mi-temps. On va peut-être voir des changements pour la deuxième période. Et c'est reparti. À mon avis, ils vont chercher à vite corriger le tir. Et vu l'enjeu, ce n'est pas la motivation qui va leur manquer. Ça part de l'autre côté. Iwobi. C'est bien fait, ça. La passe est précise. Aouazième. Bien joué à droite, il faut aller vite. Voici un bon centre. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il se fait pardonner. Aouazième. Les attaquants doivent participer à la récupération, il en est le parfait exemple. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout, on dirait. Quel fait du bien cette interception. Ça joue long vers l'avant. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-nous. Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu. Plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Ndidi qui récupère ce ballon. Le ballon dans la profondeur. Il ne résiste pas au contact. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Là, il peut centrer. Il a tenté, bien joué. Il tente de la tête. Renvoyé par le poteau. Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Pour le moment. C'est dégagé. Bien, la profondeur. Dans la surface. Il a trébuché sur cette intervention. Il récupère le ballon. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Le jeu repart vers la droite. Le tacle. Oh, bon tacle. Il décide d'allonger le jeu. Transversal. Bonne réception sur cette longue passe. Iwobi. C'est osé. Il n'a pas hésité à tacler. Choupo-Moting vers l'arrière. Ah, dommage, ça manquait de soutien. Il peut choisir de centrer. Centre au second poteau. La faute. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton.
Le gardien loin devant. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il change le jeu. Le ballon sur l'autre aile. Oh, c'est chaud. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. La passe en retrait vers son défenseur. Oh, s'il réussit son contrôle, l'interception au bon moment. La victoire ne devrait pas leur échapper, on y est presque. Ils ont presque les deux pieds en finale. C'est joué long. Attention, coup franc dangereux à suivre. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Ah, c'est rageant de concéder une faute à ce moment du match. Il frappe directement. Le jeu repart vers la droite. Il centre, attention. C'est repoussé. Il tente de la jouer dans l'espace. Et le ballon est sorti. Touche. Zambo Anguissa qui choisit le côté gauche. Le centre. Ah oui, c'était l'occasion de tuer le match. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Repiqué dans l'axe, peut-être. Zambo Anguissa. C'est fini, ils vont quitter la compétition. Que ce sera dur d'oublier cette déception après l'élimination en demi-finale. Et pourtant, il faudra se remobiliser pour participer à la petite finale. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Ah, vous savez, c'est toujours dur de quitter la compétition si près du but. Mais il y a beaucoup de choses positives à retenir.